בעזרת השם יתברך, פרשת ראה, רבי נתן, זה הספיקי את השם לפסוק א' פרק י' ד', זה להקת חיים מוקד, בעזרת השם, זה לפרשת ראה. לפסוק ידי, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה ביניכם למת. כן, vous êtes les enfants de Dieu votre de l'Éternel votre Dieu. Lo titgodedu. Vous n'avez pas le droit de vous balafrer. Ken velo tasimu kocha benenechem lamet. Vous n'avez pas le droit aussi de vous déchirer les cheveux pour le mort. Parce que quand il y a un proche qui part de ce monde, un proche qui meurt, on n'a pas le droit de se balafrer, on n'a pas le droit de se tirer de s'arracher les cheveux. Et on n'a pas le droit de trop de prendre ça trop dur. Faut pas prendre ça trop dur. Et on n'a pas le droit de se désoler trop. Vous attachez mes parents. On a dit Rabbi Nathan, nous, le peuple de Dieu, on est un peuple saint. Ah, c'est le pasouk d'après. Il dit le pasouk d'après qui am kadosh ata. Tu es un peuple saint. La Shem et l'Opticha, pour l'Éternel ton Dieu, ou Becha Bachar Hashem, et c'est toi, de toi Hashem qui t'a choisi, Liot Lo Le Am Segula, pour être son peuple élu, Mikol Amim, de tous les peuples, Asher Alpine Adama, qui se trouvent sur la terre, Hashem il t'a choisi à toi. Pourquoi? Parce que, Ki Am Kadosh Ata, tu es un peuple saint. Il dit Rashi, Gdushat Atmecha Mavotecha, ta sainteté que tu as. Ça appartient à tes pères, tu l'as reçu de tes pères. Donc depuis Abraham, Trak, Yaakov, il a décidé de nous prendre en tant que peuple, donc on est un peuple saint. Il me dit Rabbi Nathan, comme on est un peuple saint, Chechim Tamid Lachnia ou le Shaber Sitra de Monta, Shi Sitra Achara. Comme on est un peuple saint, on doit briser et on doit soumettre le côté de la mort. Le côté de la mort, on doit le soumettre. On doit soumettre, et il nous dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qui représente le côté de la mort? Il nous dit l'oubli, tiens, c'est marqué dans les côtés morales que l'oubli ça appartient au côté de la mort. Et dans quel oubli? Il y a l'oubli et la mémoire, c'est deux opposés, tiens, l'oubli et la mémoire. Mais il y a des choses qui peut être la mémoire et qui en vérité qui représentent l'oubli. Et le contraire aussi, si des fois il peut y avoir des choses qui sont de l'oubli, il faut oublier certaines choses, et c'est ça qui s'appelle la mémoire. Alors, quoi par exemple? Il dit Rabbi Nathan que ce monde-là, c'est le monde de la mort. À partir du moment où la personne, elle naît dans ce monde, elle se rapproche de sa mort tous les jours. Elle naît. Depuis qu'elle naît, chaque jour qui passe, elle se rapproche encore plus de sa mort. Parce que ce monde-là, c'est le monde de la mort. Okay? Nous, on est venu du monde futur, on est venu de Olam Haba, dans ce monde-là, du monde de la vie. On est venu dans ce monde-là. Et ce monde-là, c'est le monde de la mort. À partir du moment où on commence à vivre dans ce monde, on s'approche de plus en plus de la mort. Okay? Il dit Rabbi Nathan, il faut beaucoup garder la mémoire. Il faut attacher son esprit au monde futur. Chez Zéo Prima du 40. Ça, c'est ce qui s'appelle la mémoire. Attacher sa pensée au monde futur, ça s'appelle de la mémoire. Parce que le monde futur, c'est l'endroit de la vie. Okay? Et la vie, c'est la mémoire. La mémoire, c'est la vie. Okay? De se rappeler d'Hachem Ibarach, se rappeler du monde futur. Que ça s'appelle de se rappeler de la vie. Okay? Quand on se rappelle d'Hachem Ibarach, on se rappelle du monde futur. Okay? C'est la mémoire sainte. Le monde futur, quand on s'appelle du monde futur, c'est le contraire de l'oubli. Chez où Sitra de Mota, qui représente le côté de la mort. L'oubli, c'est le côté de la mort. Comme c'est marqué dans les côtés moran, la Torah Nun Dalet, Abenou il parle de ça, et il nous dit que l'oubli, c'est le côté de la mort. Et là-bas, Abenou nous dit que c'est la notion Nishkarti qui met Milev. Un passage de David Amelès, Nishkarti qui met Milev. Dégage les mots à Zikaron ou à l'aider à Shikha. Donc, il dit Rabbi Nathan, l'essentiel pour pouvoir perfectionner la mémoire, c'est grâce à l'oubli. C'est-à-dire qu'il faut oublier, il faut faire oublier de son cœur tout ce monde-là. Tout ce monde, il faut le
dans ce monde pour un but. On est venu dans ce monde-là, on a une mission. On a une mission à faire. On a un but à accomplir. On doit arriver à un endroit. On doit se rappeler de ça tout le temps. Et on doit, comment on se rappelle de ça tout le temps ? En se rappelant du monde futur. Okay ? Alors tout ce qui est en dehors du monde futur, quand on se rappelle de quelque chose qui est en dehors du monde futur, quand on se rappelle de quelque chose qui est en dehors d'Hachem Yitbarach, de notre but, eh ben ça s'appelle de l'oubli, parce qu'on oublie à cause de ça notre but, on oublie ça à cause de ça où on doit arriver. Okay ? Donc on oublie la vie, on oublie la vraie vie. Okay ? Donc il dit Rabbi Nathan, il faut faire, pour pouvoir se rappeler, avoir la vraie mémoire, il faut oublier tout ce qui est en dehors du monde futur. Tout ce qui est en dehors du monde futur, il faut tout oublier. D'ainu kol ha'tavot, toutes les passions, kol ha'tavot ra'ot, toutes les mauvaises passions, ou midot ra'ot, et les mauvaises qualités. Tzarich le'ashkiach otam me'alev, il faut les faire oublier de notre cœur, comme si ils n'existaient pas. Shelo lizkor otam klal, il faut les complètement les oublier. Bebchinat shechri amech u'bet avich. Ve'az yesh lemut la'zikaron. Au moment où on oublie tout ce monde-là, et toutes les mauvaises passions qu'il y a dans ce monde-là, et on s'attache, mamash, au monde futur, on se rappelle Bémet, notre but, notre mission, on se rappelle d'Hachem Yitbarach, okay? Et on attache notre pensée, okay? Alors on attache notre pensée à Hachem Yitbarach, donc ça c'est l'essentiel de la mémoire, okay? Ça c'est la perfection de la mémoire. Donc il va pouvoir attacher sa pensée au monde futur, ça c'est l'essentiel de la mémoire. C'est la mémoire, la vraie mémoire qu'il y a. La vraie mémoire. Et kol zman shezocher et ha'olam hazeh ve'eino shokheach oto, il dit Rabbi Nathan, tant que la personne elle se rappelle de ce monde-là et elle n'oublie pas ce monde, vevadai urachok mibchinat zikaron. C'est sûr qu'il est loin de la vraie mémoire, de ce qui se rappelle ce monde. Ki yev sharlo ledabet marshavto ba'alma de'ate, il ne peut pas attacher sa pensée au monde futur. Ki ha'olam haba ve'olam hazeh ou shnei dvarim zeh efech mizeh ki ha'doua. Parce que le monde futur et ce monde-là, c'est deux choses. Et ils sont un contre l'autre. C'est deux contraires, deux différences, deux choses différentes complètement. Et si on se rappelle de ce monde et on court après ce monde, on veut à prendre ce monde, on veut s'attacher à ce monde-là, on oublie, forcément on oublie le monde futur. Donc on oublie la vraie mémoire. Donc pour pouvoir et se rappeler de la vraie mémoire, il faut oublier ce qui nous fait oublier. Et cette mémoire-là. Là, il faut oublier tout ce qu'il nous faut oublier, Hachem Yitbarach, tout ce qu'il nous faut oublier, Dieu, tout ce qu'il nous faut oublier, le monde futur, il faut oublier ça. Il faut oublier ce qu'il nous faut oublier, le but. Okay? Comme ça, on va pouvoir se rappeler Béhémet de notre but. Tant qu'on se rappelle, tant qu'on donne de la mémoire à ce qui nous fait oublier Hachem, on ne pourra jamais se rappeler d'Hachem Béhémet. והכלל שאנו צריכים להרחיק הסתרה אחרה, סתרה דמותה, שלא לנות מהקדושה. זה לסנסל, זה קונדוע אילואניה, למובה קוטה, לקוטה דלמור, כפופה כתפיס פחונד דפורס דולה סנטטה. על כן כל עסקי העולם הזה, שהם חוץ מהקדושה, חוץ מעלמה דעתה, שהם סתרה אחרה, סתרה דמותה, מבחינת שכחה, צריך לשכוח אותה מן הלב לגמרי כנל. Donc il faut les faire oublier complètement de notre cœur, tout ce qui est en dehors de la sainteté, tout ce qui est en dehors du monde futur. Okay? Ça vient du mauvais côté, du côté de la mort. Okay? Ça représente l'oubli. Il faut les oublier. Il faut oublier cet oubli-là. Il faut oublier tout ce qui nous fait oublier Hachem. Il faut les faire oublier complètement de notre cœur. Okay? Comme on a dit. Il ne faut pas s'en rappeler du tout. Tant que la personne elle se rappelle encore de tout ce qui te fait oublier Hachem, okay? Alors la mémoire sainte elle est endommagée. Il ne pourra pas se rappeler Béhémet, se rappeler Béhémet de ce qu'il doit se rappeler, ça va être très très dur. D'ailleurs, la dapka marche après l'alma de Ate Kana. C'est-à-dire, Namash Rabban nous dit dans cette Torah-là, Torah Nundalet, il dit que la personne, en se réveillant le matin, la première chose qu'il doit se rappeler, c'est le monde futur, de savoir qu'il n'y a pas qu'un seul monde, il n'y a pas que ce monde-là, et là, au contraire, ce monde-là, c'est rien qu'un couloir pour arriver au monde futur. Béhémet, se rappeler du monde futur, dès qu'en se réveillant le matin, s'attacher à Mâche, attacher sa pensée au monde futur. Béhémet, surtout dans les beaux des doutes, on peut arriver à ça, quand on fait par exemple les beaux des doutes, on parle avec Dieu, on parle avec Dieu, on se rappelle, Mâche, on peut se rappeler, Béhémet, c'est quoi notre but dans ce monde? Pourquoi on est venu là? Pourquoi
pourquoi on, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde, pourquoi on est venu dans ce monde là. Ce monde, c'est Béhémet, nous dit Rabbeinu, que en lui-même, si on n'attache pas ce monde à Hachem Yitbarach, c'est que en vérité, ce monde c'est que de la souffrance. Si on attache ça à Hachem Yitbarach, même la souffrance, c'est un plaisir. Parce qu'on attache ça à Hachem, on sait qu'on est les serviteurs de Dieu. Et si Hachem il veut qu'on souffre, alors donc c'est la plus grande joie qui puisse exister, puisqu'on peut faire on fait notre travail, on sert Hachem Yitbarach. Que si Hachem Yitbarach il décide qu'on le sert, en souffrant pour lui, et en recevant ça Béhémet avec joie, même la souffrance, ça peut être le plus beau cadeau. On peut ressentir vraiment l'attachement à Hachem Yitbarach. Mais si Chas V'Shalom on détache ce monde-là d'Hachem Yitbarach, alors en vérité c'est la plus grande souffrance. Il dit Rabbeinu que dans l'histoire de cette monde, il y en a un qui était sourd. Béhémet il dit, moi je suis pas sourd. Seulement, je ne peux pas écouter toutes les voix qu'il y a dans ce monde. Pourquoi ? Dans ce monde, toutes les voix qu'il y a, c'est des voix de manque. Même les voix de joie, c'est des voix de manque. C'est-à-dire que c'est un manque qu'il y avait jusqu'à maintenant et qui s'est rempli. C'est pour ça que les gens ils sont joyeux. Par exemple, il dit à Beno, quelqu'un il vient de naître un enfant. Et donc les parents ils sont joyeux et ils font la Brit Mila, ils sont joyeux et tout. Et ben c'était un manque, jusqu'à maintenant il manquait cet enfant et maintenant il a fait naître cet enfant, donc il a rempli un manque. Donc Béhémet, ce monde là n'importe quoi, n'importe quelle joie qui puisse exister, c'est en vérité rien qu'un manque qui a été rempli. Donc en vérité c'est que Béhémet, ce monde là c'est pas il faut attacher Béhémet sa pensée au monde futur. Hachem Yitbarach, Ken, là c'est la vraie vie. Quelqu'un il s'attache à Hachem Yitbarach, même quand il lui manque tout, il lui manque rien. Parce que Hachem Yitbarach, il lui manque rien à Hachem. Si on s'attache à Hachem Yitbarach, alors on s'attache à Hachem, que lui il lui manque rien du tout, on est attaché à lui, on est son serviteur. Tout ce qu'on a, eh ben, on peut vivre, c'est la vie. Même quand il nous manque tout, okay, alors il nous manque rien, Béhémet. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché à Hachem Yitbarach, attaché à la perfection, on est attaché à Hachem Yitbarach. Okay. Et si Chas V'Shalom, on se détache d'Hachem, même quand on a on a tout ce qu'il faut, en vérité c'est que des manques qui ont été remplis. C'est que des manques qui ont été remplis. Donc il n'y a pas de joie vraie, il n'y a pas de vraie joie, il n'y a pas de vie normale, il n'y a pas de vraie vie. C'est pas une vraie vie, c'est une vie qui est joyeuse parce qu'il a été rempli, ton manque a été rempli. Et si demain ce manque là il va pas être rempli, Ken, alors tu vas ressentir ce manque que tu as, alors tu vas être Ken, Chas V'Shalom, triste. Et après, Ken, le même c'est quelqu'un qui s'attache à Hachem Yitbarach, toute sa vie, ça se transforme en joie. C'est une vraie vie, Hachem, qu'on mérite de ça, s'attacher à Hachem Yitbarach. Et c'est le zikaron de la Shechicha, d'aïnou chezocher et adavar, chezarich nishkoach, d'aïnou chutz me'alma de'ate kanal, ubgam ou nefilat à zikaron de Kedusha. Il dit maintenant que Béhémet, cette mémoire-là de l'oubli, c'est-à-dire qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il doit oublier, il se rappelle de ce qu'il doit oublier. Il y a une route malmada, c'est-à-dire ce qui est en dehors du monde futur. Quand il se rappelle de ça, ou bgam on essaye à Tazikaron d'Ikdusha, c'est un endommagement dans la mémoire sainte. Même ça, Chalé de Zé, on noten Chas V'Shalom, koach v'chiyut la sitra hara. Il donne de la force et de la vitalité au mauvais côté. D'ailleurs, chez Mamshi Chazikaron, chez Misha Machaim, et la Efer Chaz V'Shalom. C'est-à-dire qu'il emmène la mémoire que de là-bas vient la vie, et la Efer Chaz V'Shalom. C'est-à-dire qu'il donne sa mémoire à la mort. Quand il se rappelle qu'est-ce qui est en dehors de la vie, c'est-à-dire ce qui est en dehors de Hachem Yitbarach, ce qui est en dehors du monde futur, quand il se rappelle de ça et il pense à ça, il attache sa pensée là-bas, donc il donne de la force, il prend sa mémoire, Ken, et il la met dans l'endroit de la mort, Chas V'Shalom. Et donc il donne de la force. D'ainu, le makom shichra tzicha demota. Al ken tzichim lishkoach et hashichra. Et Rabbi Nathan dit, c'est pour ça qu'il faut oublier l'oubli. Il faut oublier l'oubli. C'est-à-dire tout ce monde-là. Tout ce qui est autour de ce monde, en dehors de la sainteté. Tout ce qui est en dehors de la sainteté, tout ce qui nous fait oublier Hachem, il faut oublier. Hachem Kulam, Prinat Stra Demorota, Prinat Shechecha.
C'est-à-dire l'ishkoach otam kedel l'arziram le mokomam. C'est-à-dire qu'il faut les oublier pour pouvoir les ramener dans leur endroit. Ça veut dire que c'est l'oubli, il faut oublier Hachem, il faut les oublier pour pouvoir ramener cet oubli dans l'oubli. C'est-à-dire de jeter l'oubli dans l'oubli et oublier ce qui nous fait oublier Hachem Yitzbarach. Mais comme chez Bao, les Chams et les Houds, de l'endroit où ils sont venus, là-bas ils vont retourner. Et Koulam, Bao, ils prennent un Tchérézav. Ils sont tous venus du côté de l'oubli. C'est-à-dire que tout ce monde-là et toutes les passions de ce monde-là, leur but, c'est de nous faire oublier le vrai but qu'on a. De faire oublier Hachem Yitzbarach. Donc quand on les oublie, on ramène cet oubli dans l'oubli et on fait c'est la réparation. Hein, il faut pas se rappeler de, faut pas se rappeler de ces passions, de ces mauvaises passions, de ces mauvaises qualités qui nous éloignent d'Hachem Yitzbarach. Vaza azikaron haemet, d'ailleurs azikaron shel hakdusha ketikuno kanal. Quand on oublie Behemet, ce qui nous fait oublier Hachem, Behemet, notre mémoire elle est comme il faut, elle est Behemet comme il faut. Alken anu mitzuvim shelo leitkashot al hamet yoter midai. C'est là qu'il nous dit, maintenant le rabbin il revient sur le pasouk, il vient nous apprendre c'est pourquoi on n'a pas le droit de se balafrer, de se tirer les cheveux, de s'arracher les cheveux quand il y a un proche qui est mort. Pourquoi? Il nous dit Rabbi Nathan, alken kedei shelo leamshir sitra de motach al shalom. Rak sarech leaviram midanto le shacham kana. Parce que Behemet, quand la personne s'attache à la mort d'un proche, elle porte trop d'importance à la mort d'un proche, alors ça c'est un dommagement dans la mémoire. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à l'oubli. La mort, ça représente l'oubli. Okay? L'oubli de Dieu. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est un monde qui nous fait oublier Hachem. Et c'est le côté de la mort. Okay? Quand on porte trop d'importance à la mort, ça nous fait oublier Dieu. Okay? Parce que la notion qui s'appelle l'oubli, il faut l'oublier. Ce qui nous fait oublier Hachem, parce que quand on porte trop d'importance à la mort de ce monde-là, ça veut dire qu'on porte trop d'importance à la vie dans ce monde-là. Qu'est-ce qui nous fait mal? C'est qu'il était là dans ce monde et qu'il n'est plus là dans ce monde. Okay? Comme si que ce monde-là, c'est l'essentiel. Comme si que ce monde, c'est ça l'essentiel, c'est ce monde-là, c'est de vivre ici dans ce monde. Et ça, en vérité, c'est le contraire, c'est ce qui nous fait oublier Hachem, ce monde, c'est ce qui nous fait oublier Hachem. Maintenant, badaï, que nous, on doit vivre dans ce monde. Et que l'essentiel, c'est de vivre dans ce monde, servir Hachem de ce monde-là. Ça, le plus grand plaisir d'Hachem Yitzbarach qui reçoit, c'est quand nous, on sert Hachem dans ce monde-là. Donc, on vient dans ce monde et on sert Hachem Yitzbarach et on se rappelle d'Hachem Yitzbarach dans ce monde qui nous fait oublier Hachem, qui représente le libre arbitre. Et que dans ce monde on a le libre arbitre, parce que ce monde il nous fait oublier Hachem, et quand on se rappelle d'Hachem dans ce monde, il nous fait oublier Hachem, ça c'est l'essentiel de la gloire de Dieu. Okay? Malgré tout, quand on porte trop d'importance à ce monde-là, okay, ça veut dire qu'on ne comprend pas assez, on n'est pas assez attaché au monde futur, parce que l'essentiel c'est de passer dans ce monde et de retourner dans le monde futur, ça c'est ça l'essentiel, c'est ça le but. Alors, on le voit, c'est simple que chacun. Il passe dans ce monde et puis il n'y a personne qui vit à l'éternité. Alors c'est sûr que ce n'est pas le but de vivre dans ce monde. Si c'était le but de vivre dans ce monde tout le temps, Hachem il aurait créé des mondes, ce monde-là infini. Et la Behemet, ce monde-là, il est de passage. On doit passer dans ce monde, on doit servir Hachem dans ce monde pendant le temps où on doit servir. Et on doit retourner après d'où on est venu. Pour pouvoir Behemet connaître mieux Hachem Yitzbarach, avoir passé dans ces épreuves. Descendre dans ce monde-là et servir Hachem, même quand Hachem il est caché de nous. C'est la descente pour mieux remonter après. C'est l'irida tachlit aliyah. Ce que Rabbeinu nous apprend, c'est qu'on descend pour pouvoir mieux remonter. Pour pouvoir monter plus haut. Avodat Hashem Yitzbarach, quand on vient dans ce monde, c'est pour pouvoir remonter mieux. Mais Behemet, pas oublier qu'on est que de passage ici. Pas oublier que ce monde-là, c'est qu'un couloir. Et quand on attache trop d'importance à la mort, ça veut dire qu'on croit que l'essentiel, c'est ce monde-là. Alors qu'en vérité, l'essentiel, c'est pas ce monde. L'essentiel, c'est de passer dans ce monde, de passer ce passage-là, ce tunnel dans ce monde, et de retourner d'où on est venu, Ken, Bezat Hashem Yitzbarach. Ken, il dit Rabbi Nathan Raka, Sarich Hasot Aefer Mamash, Da'enu la Dabka Marshata Balma De'ate. Il faut oublier ce monde. Il faut essayer de plus. Ce qu'on peut, c'est d'oublier toutes les passions de ce monde, tout ce qui nous fait, tout ce qui te Ken, toutes les passions, tout ce qui nous fait oublier Hashem. Il faut oublier, il faut attacher sa pensée au monde futur. Je vous prie là, dit 40, qui s'appelle la mémoire. Chez Shamachaim, que là-bas c'est la vie c'est dans le monde futur.
C'est-à-dire que quand il va attacher son esprit dans le monde futur, automatiquement, il va pas trop être désolé pour le mort. Il a mal au l'extérieur. Pourquoi il doit trop souffrir pour lui? Alors Adraba, au contraire. Maintenant, il vient de sortir de ce monde qui est de passage. Et il va mériter les chayim, la vie infinie, Bezrat Hashem. Shem ba'alma de'ate, que tout ça se trouve Bezrat Hashem dans le monde futur. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils veulent au contraire, ils veulent renforcer et ils veulent se rappeler de la mort. Ça veut dire de la mort, ils veulent vraiment se rappeler de la mort. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se balafraient, ils faisaient des tatouages pour toujours se rappeler de cette personne-là qui est mort. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça. Parce que nous, on doit se rappeler, vadaï, qu'on doit se rappeler de ce proche qui était là et qui est parti. On ne doit pas se rappeler de sa mort, on doit se rappeler au contraire de sa vie, on doit se rappeler des mitzvot qu'il a fait dans ce monde. On doit étudier pour lui, on doit faire un kaddish pour lui, on doit se rappeler des bonnes nekudot qu'il avait, des bons points qu'il avait dans ce monde, d'apprendre de lui des bonnes choses qu'il avait quand il vivait dans ce monde, pour pouvoir s'attacher de mettre au monde futur comme il faut, pour que nous aussi on puisse s'attacher à prendre de lui des bonnes choses pour pouvoir s'attacher aussi au monde futur. Et pas se rappeler de la mort, de sa mort. Ken? Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils veulent au contraire renforcer leur mémoire dans la mort de la personne. Donc ils faisaient des sortes de balafres, des choses qui leur rappellent toujours que cette personne elle est morte. Ken? Ça fait tomber la personne de la mémoire sainte, de la mémoire d'Hashem et de Barach. C'est pour ça que nous, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de prendre ça trop dur, que quelqu'un est parti de ce monde. On doit se rappeler de lui, okay? Mais pas se rappeler de sa mort. Okay? Donc on doit faire attention de ne pas, Chas v'Shalom, se couper, se balafrer, se faire des choses bizarres, okay? Se taper la tête contre le mur, okay? Chas v'Shalom, ou se déchirer les cheveux. Nous trichim lishmor et azikaron de Gdusha, d'ailleurs nous d'abek moshavto balma de ate, d'être attaché notre esprit au monde futur. Donc si on a attaché notre esprit au monde futur, on est content pour lui. Comment on appelle en hébreu, comment on appelle quelqu'un qui est mort? On appelle Niftar. C'est quoi Niftar? Niftar, c'est quelqu'un qui a été délivré. On l'appelle Niftar. C'est quelqu'un qui avait un devoir. Et maintenant il a été comme délivré de ce devoir-là. On doit venir dans ce monde, c'est un devoir qu'on a de venir dans ce monde. On nous oblige de venir dans ce monde. Et à un moment où on doit partir de ce monde, c'est une délivrance. Okay? On est délivré de cette mission qu'on avait de venir dans ce monde, de cette souffrance qu'on doit passer, ben, mettre dans ce monde-là pour pouvoir servir Hashem Midbar dans ce monde et pour pouvoir mieux connaître Hashem Midbar. Ça s'appelle la descente pour la remontée. Ben, ce monde, c'est qu'une descente. C'est pour ça que tant que la personne se rappelle Ben, du monde futur, elle se rappelle Hashem Midbar, elle se rappelle Hashem Midbar de la vie, même dans ce monde, elle vit une bonne vie. Elle vit une bonne vie parce que c'est tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est des choses, même si elle arrive à faire chez l'homme une chose dure, pour elle c'est quelque chose de bien. C'est pour servir Hachem, tout est pour le bien, c'est Hachem le maître du monde, c'est Hachem qui décide de tout. Donc la personne ne souffre jamais. C'est pas une vraie souffrance. C'est une souffrance peut-être du corps, des fois si Hachem ça fait mal dans le corps, ça fait mal, elle reçoit un coup, alors ça fait mal sur le moment. Mais comme elle est attachée de mettre à la Emouna, elle est attachée à la foi dans Dieu, que tout est pour le bien, que Hachem c'est lui le maître du monde, celui qui décide de tout, et que tout ce que Hachem Yidbar il fait c'est pour le bien, et que nous on n'est que ses serviteurs, BMS, la personne elle est attachée à la vie, elle est attachée au. Elle prend tout facilement, elle n'a rien qui va le briser, qui va le. BMS, c'est une lutte. On doit toujours s'attacher à la Emouna, à la foi et le monde. Ce monde-là, il veut nous faire oublier. Ce monde s'appelle l'oubli parce qu'il veut nous faire oublier la vie. Il veut nous faire oublier la Emouna, il veut nous faire oublier la foi dans Dieu, il veut nous faire oublier le monde futur. Mais on doit s'attacher à Rabbeinu Akadosh, à accomplir ses conseils. Et
un des conseils de Rabbeinu Akadosh, le plus grand conseil de Rabbeinu Akadosh, nous dit, c'est de faire évoquer des doutes, s'éloigner du monde un peu. Pourquoi s'éloigner du monde? Parce que le monde, il nous fait oublier Hachem. Le monde, il nous fait oublier Dieu. Quand on va faire évoquer des doutes, on va dans un coin, on fait évoquer des doutes, on parle avec Dieu, on se rappelle, mais d'où on est venu et où on va. Quoi le but, notre but? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'attacher à Hachem et pouvoir vivre une vie de foi en Dieu, une vie avec Emouna, une vie avec, comme Hachem il veut. Donc chacun il fait ce qu'il fait. Bien. Ce qu'il faut le faire, c'est de bien le faire. Bien, il y avait une histoire avec une dame qui est vivante maintenant. Bien. Elle a fait un rêve une fois qu'il y avait, Rabbi Israël, il était venu en rêve chez elle. Et il lui a dit, voilà, cette nuit, c'est ta dernière nuit. C'était comme ça, c'était ça son rêve. Demain matin, je te prends. Comme ça, il lui a dit, Rabbi Israël, cette nuit, c'est la dernière nuit qu'elle s'est tuée. Et la dame s'est réveillée, et elle était persuadée que c'était la dernière nuit qu'elle avait fait. Et ça, elle était persuadée que c'était le jour du lendemain, c'était le dernier jour qu'elle avait. Alors, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire ce jour-là? Elle n'a rien dit à personne. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a décidé de faire ce jour-là, elle continue à faire ce qu'elle fait tous les jours, mais de faire ce qu'elle fait tous les jours au mieux possible. Ça veut dire, elle envoie ses enfants à l'école, elle le fait avec Emouna, avec foi, elle prépare les sandwichs pour envoyer son enfant à l'école, elle le fait avec Emouna, avec foi. Elle sent qu'elle sert à Hachem Yitbarach quand elle fait ça. Quand elle préparait les sandwichs, elle sentait qu'elle servait à Hachem, elle faisait mamash avec de tout son cœur. Quand elle recevait son mari, la même journée, elle envoyait son mari au travail ou à l'étude. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec le mieux qu'elle pouvait. Elle faisait tout ce qu'elle faisait. Mais maintenant, on doit faire. Il n'y a pas des choses. Bon, Rabbeinu dit, on ne doit pas choisir des choses. Il dit, ce olam hazeh, c'est très dur à le recevoir. C'est-à-dire de prendre les passions de ce monde, c'est très dur à le recevoir. Et il n'existe pas. Parce que dès que tu vas recevoir, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraie passion dans ce monde où tu pourras. Même quand tu reprends ce que tu veux, au moment où tu l'as pris, c'est fini, il n'y a plus, ça n'existe plus. Je dis, le olam haba, il existe, on peut le recevoir. Ken, il n'en a pas besoin, il dit, Rabbeinu, il dit, le monde futur, on peut le recevoir, il est facile à recevoir, c'est pas dur. Ken, on n'a pas besoin de faire des dépenses pour pouvoir le recevoir. Donc, quand il veut gagner beaucoup d'argent, il doit dépenser beaucoup pour pouvoir faire un bon commerce, pour pouvoir réussir. Hein. Mais mettre devant le monde futur et dire, Rabbeinu, c'est. Tu tends ta main et tu prends. Parce que mais ce que Hachem il t'a donné autour de toi, tu peux recevoir le monde futur. Et l'essentiel, c'est de vivre avec Emouna, de vivre avec foi. Quand de mettre ce que Hachem t'a mis autour de toi, c'est ce que tu dois faire. Fais-le pour Dieu. Faire Hachem dans ce que tu fais quand tu manges, de mettre Mbarach, c'est Avodat Hachem. Tu sers Dieu quand tu manges. Quand tu fais une tchat yadin, tu manges. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est Avodat Hachem. Fais-le pour Dieu. C'est quoi la différence quand tu fais ça pour Dieu? Tu fais ça pour toi. C'est ça l'Avodat Hachem. Mais fais la même chose. Les deux, ils font la même chose. Il y en a deux qui ont mangé. Un, il a mangé. Il a servi Hachem. L'autre, il a mangé. Il s'est servi soi-même. L'essentiel de se rappeler du monde futur, c'est de pouvoir vivre chaque jour comme Hachem il veut. De savoir qu'on est des serviteurs d'Hachem et de Barach. Quand on va manger, quand on va boire. On travaille, on étudie la Torah. Pas quand on étudie, alors on sert Hachem. Et après, quand on sort de l'étude, on ferme le livre, on ne sert plus Hachem. Au contraire, quand on ferme le livre, on s'attache au monde futur. Maintenant, on va pouvoir vivre dans ce monde-là comme on vit dans le monde futur. On va pouvoir faire ce qu'on fait dans ce monde-là au mieux possible. Faire ça pour Dieu, faire ça pour Hachem Yitbarach, pour s'attacher à la Emouna, pour vivre une vie d'Emouna. Quand on reçoit un coup, on dit Baruch Hachem, Akol Etova. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. S'attacher à Hachem Yitbarach, on ressent que ce coup-là, même qu'il est venu du mur, ou de quelqu'un qui m'a donné un coup, ou m'a fait un reproche, on sait que ça c'est. Il y a celui qui est. C'est Bat HaSibot. C'est à quoi c'est Bat HaSibot? C'est lui la raison des raisons. C'est-à-dire, il y a une raison pour chaque coup. Si on a reçu un coup de quelqu'un, c'est une raison. Il y a une raison pourquoi on a reçu ce coup. Mais il y a la raison des raisons. Hachem Yitbarach, c'est lui, c'est la Sibat HaSibot, la raison des raisons. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide, qui envoie les raisons. C'est-à-dire,
c'est lui qui a décidé et qui a fait tourner le monde pour que ce coup-là il arrive à ce moment, au même moment. Lui, c'est la raison des raisons, Sibat à Sibot. Parce que d'Hachem Yitbar vient, si c'est les bonnes choses ou les mauvaises choses. S'attacher à Hachem Yitbar, de Emouna, c'est ça se rappeler le Olam Abba aussi. Remettre, pour pouvoir se rappeler de ce Olam Abba, comme ça, aussi au jour le jour, et vivre la Emouna, vivre la foi, s'attacher à Hachem Yitbar, il faut aussi surtout faire égo des doutes, s'attacher à Rabbeinu HaKadosh, à comprendre les conseils de Rabbeinu HaKadosh, parler avec Dieu, sortir un peu du monde, hein, surtout partir un peu dans la forêt, si on peut partir dans la forêt, sortir un peu du monde, s'éloigner un peu du monde, rappeler des maîtres. Chacun, à chaque juif, il ressent ça en lui, parce que c'est Neshama, elle vient de là-bas, parce que ça racine, okay. Pas un travail qu'on doit faire trop difficile, même si des fois on ne comprend pas trop, mais on est poussé à ça. Mais notre Neshama, elle veut retourner vers sa racine, donc Bémet, hein, qu'il faut écouter un peu ce Neshama. Comment on écoute ce Neshama? Elle va vers la vérité. Notre Neshama, notre Esther Atov, il va vers la vérité. Hein. Le problème qu'il y a, c'est que ce monde, il était oublié. Alors Bémet, les attachés Mitbarar, on s'attache à Rabbeinu HaKadosh, qu'on essaye un peu d'oublier ce qui nous fait oublier. Et notre but, c'est pas oublier l'Olam Abba, c'est pas oublier Hachem Yitbarach, on peut se reprocher à Hachem Yitbarach, on peut vivre une vie de Mouna, une vie d'Hachem Yitbarach, Shalom Yisrael.